Des milliers de personnes continuent de fuir la violence au nord-est du Nigeria. La violence perpétrée par Boko Haram, qui a mis à feu et à sang cette semaine plus d'une quinzaine de villages près du lac Tchad. La localité de Baga, notamment, aurait ainsi été entièrement brûlée et rasée, selon des témoins arrivés de la région. Le groupe islamiste armé contrôle désormais cette région stratégique, située au carrefour du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. C'est là que se trouve aussi une base militaire nigériane qui n'a pas résisté longtemps face à l'attaque de centaines d'hommes armés. Cet humoriste, lui, vous voulez le faire taire. Et les journalistes de Charlie Hebdo voulaient monter au pinacle. Mais il y a une différence fondamentale. Et c'est cette bataille que nous devons gagner, celle de la pédagogie auprès de notre jeunesse. Il y a une différence fondamentale entre la liberté d'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice doit sans doute punir avec encore plus de sévérité. C'est en permettant aux entreprises d'estampiller certaines informations secrets des affaires, sur le modèle du secret défense, le risque est fort de compliquer, par ricochet, le travail des journalistes et des lanceurs d'alerte. Le projet prévoyait de punir d'un maximum de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende ceux qui s'empareraient d'informations confidentielles ayant une valeur économique. Des exceptions étaient prévues pour protéger les journalistes. Mais trop faibles aux yeux de nombreux professionnels, inquiets de la pression qu'aurait fait peser le texte sur leurs sources. Réponse courte, est-ce que c'est la fin de la croissance? Et oui. Si on regarde en Europe ce qui se passe depuis 2007, à peu près partout la production industrielle est en train de baisser, à peu près partout les constructions sont en train de baisser, à peu près partout les transports en camion sont en train de baisser. Donc si on regarde un certain nombre de flux physiques qui font notre économie, ils sont déjà partis à la baisse en Europe depuis 2007. Dans un monde dans lequel c'est essentiellement les machines qui travaillent à notre place et les machines mangent de l'énergie, c'est l'approvisionnement énergétique qui fait la croissance et absolument pas les gens au travail. Depuis les chocs pétroliers 74-79, on est en excès de travail, il y a du chômage partout, on est en excès de capital, il y a des bulles spéculatives partout. Par contre, on a commencé à être en ralentissement sur l'approvisionnement énergétique et c'est ça qui fait que l'économie n'est pas repartie après les chocs pétroliers. Et c'est du reste pour la même raison que malheureusement, je pense que la prochaine crise n'est espacée que de 2 à 3 ans à partir d'aujourd'hui. Tous les régimes de redistribution, les retraites, la sécurité sociale, etc., toutes les augmentations à l'ancienneté, tout ce système-là, lui, a besoin de la croissance pour rester stable. Et si nous n'avons plus de croissance, on déstabilise tous ces systèmes et donc il va y avoir un temps d'ajustement qui, lui, va être très compliqué pour un monde politique qui, pour le moment, n'y a pas réfléchi. L'année 2015 sera déterminante, avec la tenue de la COP21 à Paris, au cours de laquelle un accord ferme et durable devra être conclu pour répondre à l'urgence écologique. La Chine aura d'ailleurs un rôle important à jouer dans la réussite de cette conférence. En s'engageant à diminuer l'émission de ses gaz à effet de serre en novembre dernier, la Chine a déjà fait un premier pas. Réussir ensemble la conférence sur le climat de 2015, voilà le chantier principal, qui va mobiliser toutes les forces des dirigeants français et chinois cette année. Un accord ambitieux qui préserve l'avenir de la planète devra être signé à l'issue de la conférence, permettant de limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Parce qu'on a constaté que cet objectif de réduction pour 2018 ne serait pas atteint, quoi qu'on ait pu faire, puisque sur l'année 2012-2013, on a vu une augmentation globale de l'utilisation des pesticides de plus 9%.